Ça tourne. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Spinozzi, je suis musicien et je dois répondre à des questions pièges. Enfin, pièges, je sais pas. Quelle est la chose la plus drôle qui vous est arrivée sur un plateau? Avant un concert à la Philharmonie de Berlin, où je dirigeais l'orchestre de Berlin, je me suis dit, ah, je suis pas allé écouter. Donc j'ai descendu, vous savez comment c'est là-bas, c'est pas très haut, et vous êtes directement dans la salle. J'ai sauté, je suis allé écouter, c'était super, donc j'aurais pas dû. Et quand je suis remonté, j'ai sauté, je me suis étalé devant tout le monde, et je me suis fait hyper mal. Je suis allé à l'hôpital, je me suis déchiré un muscle de la main, et j'ai dirigé le soir avec un énorme pansement, comme ça. Alors c'était drôle pour tout le monde, sauf pour moi. Quel film ou série vous a le plus influencé? West Side Story, un chef-d'œuvre absolu avec. Roméo et Juliette et la musique de Bernstein. Le meilleur repas que vous ayez mangé? Ma maman me fait des repas à chaque fois et je lui dis, je dois faire attention, maman, non, s'il te plaît, fais-moi une salade. Et c'est toujours, elle est géniale et elle sait vraiment ce que j'aime, donc c'est à chaque fois que je vais manger chez ma maman. Quel est l'aspect le plus difficile de votre travail et comment le gérez-vous? Quand on ne connecte pas les cœurs, quand la musique nous appelle et on n'y arrive pas, des fois ça ne marche pas, c'est éteint. C'est donc quelque chose qui provoque beaucoup de tristesse parce qu'on n'arrive plus à aimer. Dans un orchestre, qui est le héros de l'ombre? Et le héros, c'est le musicien qui est toujours souriant et qui a toujours la foi en la musique, bien que ce soit son 250e concert de l'année et qui garde le moral et la conscience du privilège infini de pouvoir faire de la musique tous les jours.